Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce flash d'information sur Actuel Média. Commençons ces flashs d'information avec l'actualité nationale. Dans la région de Mopti, plus précisément au cercle de Djéné, au village de Moura, les forces armées maliennes annoncent avoir neutralisé 203 terroristes, 51 personnes interpellées, 200 motos brûlées et des armes et munitions saisies. Ces opérations se sont déroulées entre le 23 et le 31 mars dernier. Toujours dans l'actualité nationale, ce week-end, une manifestation organisée par les jeunes de la ville de Mopti exprimant leur colère contre la coupure intempestive d'électricité. Et ils demandent la démission immédiate du directeur régional de l'EDM de Mopti, selon eux, incapable de résoudre ces problèmes. Terminons ces flashs d'information avec l'actualité internationale. En Ukraine, révoltée par les images de dizaines de cadavres retrouvés dans les environs de Kiev, l'Europe discute ce lundi 4 mars 2022 un alourdissement des sanctions contre Moscou, accusé de génocide en Ukraine, mais qui rejette catégoriquement toutes ces accusations. Merci d'avoir suivi ces flashs d'information. Restez connectés sur Actuel Média. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.